Voilà, les retours de test de la chaussure Konos Outdry de la marque Columbia. Donc, c'est, comme on peut le voir, une chaussure basse, alors qui est présentée comme une chaussure de fast hiking, c'est-à-dire qu'elle a, c'est en mèche, hein, c'est une chaussure en mèche qui est très souple, enfin qui est souple. Ouais. On sent ici tout de suite un gros amorti talon et un amorti général qui est vraiment dimensionné. Ce qui fait que c'est une chaussure très confortable. Il y a une certaine rigidité, enfin relative, mais qui fait que la prise de talon est bonne et le pied dans la chaussure est relativement bien maintenu, bien que ça soit une chaussure en mèche, donc évidemment c'est pas rigide, mais il y a quand même un maintien du pied qui est bien. Ce qui veut dire que c'est une chaussure confortable, assez précise, légère, on peut courir avec. Après, évidemment, c'est pour des sentiers balisés. Il faut éviter les environnements abrasifs. Dans les pierriers, elle ne durera pas très longtemps. On peut en descendre un ou deux, mais je veux dire, c'est du mèche. Donc, c'est une chaussure très confortable pour des randos comme ici, dans du sec, avec des sentiers balisés, ça va très bien. Après, si on veut partir un peu dans des zones plus pentues, ça sera compliqué par manque de rigidité. Il est évident que pour grimper sur le rocher, il n'y a que les positions à plat qui sont bonnes. Voilà la semelle de propreté de cette Konos Columbia. Bon, c'est assez standard, hein. Donc ça veut dire que ça sera défoncé assez rapidement. Comme souvent, je recommande de les changer par des semelles de qualité qui protègent les cambrures, notamment les lombaires. Ensuite, on a une membrane Outdry, donc c'est une membrane imperméable qui est très utile, notamment quand on marche dans les herbes après la pluie ou lorsqu'il y a de la rosée du matin, surtout pour une chaussure basse. Bon, ce qui est super avec ces chaussures, c'est qu'elles vont très bien avec un jean. En ville, on est super à l'aise avec. Donc c'est quand même une chaussure polyvalente. Et moi, j'ai été vraiment charmé par leur confort, hein. En plus, je les trouve assez belles. Bon, il faut les nettoyer un peu parce que c'est salissant, mais elles passent à la machine. Et on a une semelle qui a une adhérence très correcte sur du calcaire sec. On peut vraiment faire des pas d'adhérence. Voilà. Donc c'est une chaussure qui est attachante par son confort et aussi par son design, par son look.